C'est un spectacle de prévention contre les risques auditifs. Le fil de l'histoire, c'est les musiques actuelles, depuis le blues jusqu'à nos jours. Et c'est un mélange de concerts, de speech pédagogiques sur le fonctionnement du son, de l'oreille et les risques qu'on peut rencontrer musicalement au niveau de l'audition, et puis de vidéos qui viennent étayer ce contenu pédagogique. Et de blagues de Gaël. Et de blagues de Gaël, tout à fait. On a un boys band. On a un boys band, exactement. Ça va, alors. Le projet Peace & Love, il existe depuis maintenant 5 ou 6 ans dans la région. Avant, c'était une autre équipe de musiciens qui faisait ça. Puis quand il est venu le moment de le renouveler, nous, on a fait partie, on a passé une audition aux côtés d'autres musiciens. Et c'est comme ça qu'on a fini par se retrouver embauché par l'association Autour des rythmes actuels, qui est le porteur du dispositif. L'avantage de ce spectacle, c'est que il y a deux avantages. C'est que d'abord, il a été quand même écrit et mis en scène. Et du coup, ça veut dire que quand on met un pied dedans, tout va se dérouler, on sait comment tout va se dérouler, quoi. Donc il y a de la place pour l'interactivité, tout ça, mais le fait que ça ait été écrit et rodé quand même, on le joue 40 fois par an au moins, en fait c'est vachement confortable, parce qu'on arrive sur scène, une fois qu'on joue les premières notes, c'est tout droit jusqu'à la fin, quoi. Comparé à d'autres projets où on peut avoir, où il y a pas de où il y a peu de répètes ou pas de répètes, ou alors des trucs avec des gens au niveau différent ou avec des publics vraiment différents. Là, tout le boulot autour est déjà fait. Nous, on a un confort de répète qui est quand même plutôt sympathique. Le fait qu'on joue beaucoup, le fait que tout soit écrit, c'est quand même confortable. Années 60, la musique devient réellement une industrie. Chaque foyer a son manche disque ou son poste à transistor, et chaque adolescent devient un consommateur de musique. C'est l'heure du hit parade et du premier star system, l'heure des grandes idoles, tandis que la jeunesse remise bien vite au placard les rockers et leurs bousons noirs déjà dépassés. En effet, les adolescents sont séduits par un nouveau son à la mode venu tout droit d'Angleterre. C'est l'heure de Procolarum et autres The Who, des Beatles et des Rolling Stones. L'heure du Radio Revolt est arrivée. Le spectacle Peace & Love, il vise les jeunes de la 4e à la 1ère. Nous, on est vraiment le côté ludique, si tu veux. On est le côté ludique, et pour beaucoup de collégiens, voire de lycéens, on est la première approche spectacle vivant qui leur est donné de faire. Pour rappel, il y a le spectacle, il y a la formation du personnel médical au sein des établissements, donc les infirmières ou éventuellement des profs qui vont être référents sur la partie son. Et puis, il y a des ateliers, qui sont amenés directement en classe. Donc évidemment, quand on est en train de former du personnel médical, on s'assure d'une présence à long terme des problématiques de prévention au sein d'un établissement, ce qui n'est pas notre cas. Quand on amène des musiciens dans les collèges directement au niveau des classes, on s'assure d'une plus grande technicité et d'une plus grande interaction en fait avec les jeunes dans le contenu. Donc nous, c'est viens, sensibilisation, et derrière, il y a un travail plus approfondi qui se monte au long terme avec les établissements. On travaille tous les ans en résidence, on prend en général une semaine de résidence par an pour travailler ou retravailler le contenu et musical et pédagogique. Donc c'est une écriture collective avec en règle générale des intervenants extérieurs, arrangeurs, metteurs en scène qui viennent travailler sur ce projet. L'appareil que vous voyez devant Guillaume s'appelle un sonomètre. C'est un appareil qui mesure l'intensité sonore, c'est-à-dire le volume. L'unité de mesure, c'est le décibel. Pour vous donner une idée de ce que c'est un décibel, si vous chuchotez à l'oreille de votre voisin, ça fait à peu près 30 décibels. Alors que si vous lui parlez normalement, on sera plutôt aux alentours de 60 décibels. Le midi à la cantine, quand tout le monde parle et fait du bruit, on se situe vers 85 décibels. 85 décibels, c'est le son.
seuil où notre oreille commence à se fatiguer. Un autre exemple, si dans la rue vous passez à 1 mètre d'un marteau piqueur, là c'est 100 décibels qui arrivent dans vos oreilles. Juste au-dessus, à 105 décibels, c'est la limite maximale autorisée dans les salles de spectacle et les discothèques. Et puis, si un jour vous êtes à 20 mètres d'un avion qui décolle, c'est pas 105 décibels qui arriveront sur vous, mais 120 décibels. 120 décibels, c'est non seulement le seuil de douleur, mais c'est aussi le seuil où les dégâts sont immédiats. Quand je dis qu'on a des retours, ça veut dire qu'on a des dispositifs d'évaluation qualitative et tous les lycéens ou collégiens qui vont passer par ce spectacle sont ensuite interrogés, remplissent des petits questionnaires. En règle générale, pour l'instant, en gros à l'âge des résultats qu'on a, il y a un bon accueil du public, les gens passent un bon moment. C'est un peu plus compliqué par contre quant au fait de changer les pratiques. Et on sait que notre spectacle ne suffit pas à ce qu'un jeune change ses pratiques. On lui a simplement mis des questions en tête. Éventuellement, ces questions elles vont se réactiver plus tard dans sa vie, par exemple au premier acouphène, quand sa pratique musicale va évoluer, ou bien sûr, a fortiori, si ce jeune, ce lycéen, réentend ce message de prévention délivré par un musicien qui vient en classe ou par du personnel médical au sein de son établissement. Mais ce qui est agréable, et d'autant plus au fur et à mesure, nous on est à la fin de notre quatrième saison en fait ensemble, et comme on le disait, on a un spectacle qui évolue tous les ans. Donc pour nous, c'est une impression générale d'un mieux-être qui ne cesse de se construire, parce qu'on commence à avoir des réactions publiques qui sont de meilleures en meilleures. Je me rappelle que quand on a commencé notre spectacle, on avait l'impression que ça roulait peut-être une fois sur deux, tu vois. Et une fois sur deux, on se disait, putain, on n'est pas passé à côté d'un truc. Et là, on passe plutôt à 8 fois ou 9 fois sur 10. On commence vraiment à avoir des retours publics. Ou je te dis pas que c'est forcément l'hystérie et tout dans les gradins. Des fois, on a des super réactions en mode tout le monde debout, des gars qui montent sur scène, etc. Il est 11h du mat, tu dis, putain, on est en train de faire un vrai concert et tout. C'est assez sympa. Des fois, quand même, là, au 4 écluses, on a une petite jauge. Mais des fois, la plupart du temps, on accueille plutôt 250, 300, voire jusqu'à 400 élèves. Donc on a quand même des sensations de concert qui sont assez cool, voilà, c'est dans ces moments là que ça se passe bien. Ouais, et puis il y a aussi un truc qui est quand même révélateur, c'est que avec les premières formules du spectacle, quand ça marchait pas, c'était galère et on ramait et franchement c'était vraiment pas agréable. Tandis que là, quel que soit le public qu'on a, parce qu'on a des publics plus ou moins réceptifs en gros, hein, y en a qui sont là, ils sont contents d'être là, puis il y en a d'autres, c'est pas du tout le cas, quoi. Et avec la version qu'on présente en ce moment, il y a toujours un moment du spectacle où on arrive à les accrocher. Donc ça, c'est quand même confortable parce qu'on sait qu'à la fin, normalement, tout le monde sera content globalement, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, quoi. Donc année après année, c'est de plus en plus cool, c'est de plus en plus confortable et puis gratifiant, quoi. Oh, the future, the future.